Monsieur Rapp, vous êtes le dirigeant de la société Krone Seram. Vous pouvez nous préciser rapidement, en quelques mots, votre activité ? Bien sûr. Alors, nous sommes un laboratoire de prothèses dentaires qui a été fondé il y a 30 ans. Nous fabriquons des prothèses à destination des chirurgiens dentistes. Donc, nos clients sont principalement des chirurgiens dentistes de toute la France. Nous avons quelques clients à l'étranger. Et notre vocation principale est de fabriquer ces prothèses de façon numérique, digitale. Donc, nous sommes très, très axés nouvelles technologies au sein de notre entreprise. Alors, la DIRA a l'occasion de vous accompagner sur plusieurs chantiers que nous avons partagés ensemble. Il y a un point qui vous tient très à cœur d'ailleurs, c'est la partie recrutement de personnel qualifié et formation de personnel. Alors nous avons l'occasion de vous mettre en contact avec un certain nombre d'acteurs et de partenaires. Alors écoutez, ça s'est très très bien passé. On a travaillé sur principalement trois axes. Le premier axe, vous nous avez aidé à renouer des liens avec différents organismes comme la Chambre des métiers, différents organismes de formation du Grand Est. La deuxième chose, on a une pénurie de prothésistes dentaires, donc on a des prothésistes qui viennent de plus en plus loin. Et vous nous avez aidé avec votre club carrière Alsace. Très bien. Et puis il y a un deuxième sujet qui nous tient aussi très à cœur, c'est votre projet de développement finalement, qui est aussi un projet particulièrement marquant pour votre évolution. Donc vous avez ce projet de développement et de transfert de votre activité sur un nouveau site industriel. Là, on a eu l'occasion de travailler avec vous en lien avec les collectivités sur les questions techniques, d'aménagement, d'équipement également. En quelques mots, comment vous avez ressenti cet appui qu'on vous a apporté sur ces sujets-là ? Assez phénoménal, je dois l'avouer. Franchement, on est souvent un peu esselé en tant qu'entreprise. On a trouvé auprès de la DIRA un contact qui nous a vraiment aidé à, d'une part, retisser à nouveau un lien avec différents acteurs. Je parle des mairies, je parle des préfectures, je parle de l'État sur certains points. Un accompagnement financier à travers différents systèmes d'aide. Et enfin, une médiation auprès de l'État sur quelques points qui restent encore ouverts. Dernier point, Monsieur Rapp, les enjeux de votre société, Krone Seram demain, c'est quoi ? Alors Krone Seram demain, c'est continuer notre croissance, très important pour nous, et se diriger vers l'usine du futur. On travaille aujourd'hui dans le groupe Usine du futur de la région Grand Est. Donc on va avoir des consultants qui vont venir nous aider à nous développer dans les nouvelles technologies et voilà, accès nouvelles technologies et croissance, définitivement. Plein feu sur l'avenir numérique. Clairement. Merci à vous. Merci beaucoup.